L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes du jeudi de la 31e semaine du temps ordinaire de l'année C. Lu par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Constant Sago. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 3, versets 3 à 8. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurai pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage, circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu,
fils d'Hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice qui donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son trèfle, sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 15, 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous révèle le prix, la valeur que nous avons étant pécheurs devant le Seigneur. Le Seigneur, dans son grand amour, est toujours à notre recherche pour nous sauver, pour nous faire revenir dans sa maison. Qu'attends-tu, mon frère? Qu'attends-tu, ma sœur? Pour te laisser sauver, pour te laisser délivrer par le Seigneur. En rencontrant le Seigneur Jésus, Paul considère tout comme perte. Veux-tu regretter après pour tout ce que tu te bats aujourd'hui et ne voulant pas te donner à Dieu? Ma sœur, mon frère, la connaissance et l'acceptation du Christ Jésus dépassent tout bien dont tu peux imaginer en ce monde. L'amitié avec Jésus-Christ est la relation la plus sûre sur laquelle tu peux compter en ce monde. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Il est venu pour guérir ceux qui sont malades. Il est venu pour donner la vie à ceux qui sont morts. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, offrons nos mains à Jésus en ce jour pour qu'il nous sorte de nos gouffres, pour qu'il nous sorte de nos tombeaux, pour qu'il nous sorte de nos chaînes, pour qu'il nous guérisse de nos maladies. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il est tombé dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.